Bandali atona wa utu banzulu La Tanzambi tukutondele. Au nom du père, qui papa, qui solo kele lukelo Charles, du fils, dit papa, Djalungana Kangani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu, Kuntima Kangani. Mes chers amis, aujourd'hui, on est le 4 avril, en l'an 2019. Il est d'usage, ça fait un moment que je viens en face de vous, dans cet exercice de communication qui consiste à mettre à votre disposition des informations sur la nouvelle civilisation, qui est le kimbanguisme. Le kimbanguisme, qui est cette nouvelle manière de vécu des humains sur Terre, venue des cieux et matérialisée sur Terre, il y a cela exactement dans 2 jours, nous célébrerons le 98e anniversaire. C'était donc un certain 6 avril 1921, en Kamba, dans le Congo central, en République démocratique du Congo, comme qui dirait, mais moi j'aime bien dire la République divine Congo, où Tata Simon Kimbangu prit le relais de celui qui s'est donné en pâture il y a cela 2018 ans, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, qui dira, ceux qui sont venus en mon nom pour dire mon message, ils sont des hypocrites, des jésuites. Et donc moi, toi Kimbangu, je t'ai donné comme toi étant mon père, car j'avais promis que j'irai pour qu'il envoie le consolateur. Eh bien c'est tout, papa Simon Kimbangu, donc le consolateur des peuples opprimés, l'esprit de vérité. Sur la même, sur le mont Golgotha, viendra donner le coup de main à son fils, car un mystère survint sur la route de Golgotha. Oui, oui, un être africain que l'on prit de force pour porter la croix derrière Jésus. Et oui, oh Dieu le Père, au secours de son divin fils. Et oui, Tata Kimbangu, nous t'avons reconnu. Au Gogota de Judas, Kimbangu était présent. Et en Kamba du Congo, Jésus-Christ aussi est présent. Pourquoi se doutons-nous? Et pourtant, notre Père et bien Esprit, Papa Simon Kimbangu, Kangani aujourd'hui en Kamba. Et donc, mes amis, c'est dans cette structure de communication qu'on appelle le média Tata Kimbangu, média qui? Le multimédia, donc les réseaux sociaux, internet, la télé audiovisuelle, la télé comme l'audio, comme la radio, donc la radio, la ratelki, la presque information kimbanguiste, tout ce qui est la communication de Kimbangu, donc les médias de Tata Kimbangu. Mais mes chers amis, aujourd'hui je viens en face de vous parce que c'est un jour spécial. Je disais tantôt qu'on est à 2 jours auprès, le samedi, demain, après-demain plutôt, nous allons célébrer le 98e anniversaire, 98e anniversaire, depuis que Tata Simon Kimbangu nous a donné cette grâce de nous renouveler, de nous récupérer. C'était un 6 avril 1921. Mes chers amis, vous savez, on est le 4. Vous avez suivi mon introduction à travers ce discours politique, parce que j'appelle toujours les cantiques kimbanguistes, moi j'appelle les inspirés de Tata Kimbangu, les inspirés kimbanguistes, j'appelle mes conseillers politiques, parce que moi je suis un politique, je suis Diakongo, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Vous savez que cet ordre-là ne vient de nulle part ailleurs, sinon qu'en Kamba, et mon modèle politique qui est donc Papa qui se loquele Lukelo Cha. 6 avril 1921, mais là, je dis surtout que j'ai commencé mon introduction parce que le rendez-vous de midi avait échoué. D'habitude, je viens en face de vous aux environs de midi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pu le faire parce que la situation était que, au point de vue occupation pécuniaire, j'avais des rendez-vous avec des commerciaux dans mon structure, donc je ne veux pas être en face de vous. Mais ici, je me trouve dans les locaux de Tata Kimbangu, ici en France. Le seul bâtiment reconnu par la République française comme étant les murs appartenant à sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kangani. Donc, le chef spirituel et représentant légal de cette institution spirituelle qu'il appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Cette ASBL à but non lucratif. Mais cette institution, j'appelle ça ma loge. Parce que moi, en tant que politique, ma loge à moi. Il y en a qui ont, certains politiques, ils ont les loges comme les francs-maçonneries, la Rose-Croix, les Maïcaristes, les consorts ou les catholicos. Mais moi, ma loge à moi, c'est le JSK, où je viens prendre l'essentiel spirituel afin de les gouverner la cité.
en tant qu'homme politique. Évidemment, je vous dis que la politique modèle Tataski Solo Kelo Kelo et non la politique animalière. S'il vous plaît. Donc, je disais tantôt qu'on est le 4 avril. Je vais devoir reprendre le cantique que mes amis vont pouvoir entonner parce que ce cantique-là est l'objet de mon intervention de ce soir ou bien de cet après-midi 4 avril. Ce cantique-là dit quoi? Que dit mes conseillers politiques dans ce sport de chant? C'était, je vais vous mettre l'image, ce serait bien, parce que nous voulons parler, nous sommes disons qu'un Kamba est notre raison de vie. Sans Kamba, on n'est rien. Et donc toutefois, ce que nous vivons, nous évoquons, doit être en harmonie avec Mbanza, Velela, Nkamba, New Jérusalem. Ici, je m'en vais donc vous amener un Kamba où je vais me faire le plaisir, de vous ramener donc l'essentiel de mon objet, de mon intervention. Tata Kimbangu, Kiangani, qui est l'esprit de vérité, Dieu de cet esprit, ce qu'il va disposer pour nous. Je vais donc monter en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, afin de vous mettre en compagnie de mes collègues du groupe de guitaristes kimbanguistes, mes confrères, parce que je fais partie de ce groupe-là, le fond bleu, le groupe de guitaristes kimbanguistes. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Parce que je l'ai mis en introduction, c'était en audio, mais là, j'aimerais bien vous faire vivre cela exactement là-bas, à la Nouvelle-Jérusalem, comment ce que, devant sa divinité, chaque vendredi, nous, les guitaristes, nous faisons gloire et honneur parce que nous sommes les Bassepelissi, c'est-à-dire nous rendons joyeux le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité. Donc là, s'il vous plaît, allons en Kamba vivre ce que mes collègues vont dire à propos de ce jour. Pourquoi le 4 avril? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde entier? Allons-y. Suivons. Thank you.
Kanda Jansona Wautu Banzulu, Tata Simon Kimangu Kiangani, Tukutondele. Mes chers amis, si je vous ai ramené en Kamba, en compagnie avec mes confrères du groupe de guitaristes kimbongistes, Basse Felici, Ya Tata Simon Kimbangu Kuntima Kiangani, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui on est le 4 avril. Et il s'est passé quelque chose un certain 4 avril en l'an 2013. En l'an 2013, Tata Simon Kimbangu Kiangani a bien voulu récupérer l'âme de son ange céleste. Celui-là même qu'il a utilisé afin de nous disposer cette science que nous avons besoin pour développer le continent mère, l'Afrique, berceau de l'humanité, où toutes les natures sont parties, tous les humains sont partis. Nkamba, où fut créé le premier humain. Et bien, le 4 avril, l'an 2013, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, avait bien voulu récupérer l'âme de notre Samakamandombe, David Wabeladio Pai. Celui-là même qui reçut l'appel en 1968 d'aller en Kamba afin de recevoir une mission pour le peuple Ndombe. D'où donc l'écriture qui est sortie après avoir jeûné pendant 8 mois enfermé dans une maison. Et Tata Simon Kimbangu lui montra le Pakundungu et le Pelekete. Cette science, cette écriture, ce support pour matérialiser la pensée afin de développer, inventer les choses pour le bien-être de l'homme noir. Le Ndombe, Mandombe. Le Mandombe était venu sur terre. Papa Simon Kimbangu Kiangani l'a disposé par l'entreprise. Entreprise que avait exécuté Tata David Wabeladio Samakamandombe en 1978, le 13 mars, quand j'ai reçu l'appel d'aller en Kamba. Et donc, depuis le 4 avril, l'an 2013, Tata Samakamandombe, physiquement, n'est plus avec nous. Mais ce qu'il a fait et ce qu'il a œuvré, il avait un Banzangungu, Papa Simon Kimbangu l'avait dit, Ntalu Zazole Mwene, et Ntalu Louvangila Biabio, Louvui Dimfunu, mon activité matérielle. C'est l'écriture Ma Ndombe, Ma, pour les Noirs, à la manière des Noirs. Et les Noirs, qu'on a qualifiés de Noirs, parce que en latin, dans cette langue, je vous communique, le Kinsusu, dans le Kinsusu, Noir qui vient du latin négriti, donc objet de peu de valeur. Objet de peu de valeur. C'est vrai, nous étions objet de peu de valeur. Nous avons dévalorisé Papa Kisolokele à l'époque édénique. Nous avons dévalorisé Tata Dialungana Kiangani, Seigneur Jésus-Christ, à l'époque édénique. Nous avons dévalorisé Tata Kimbangu Kuntima Kiangani à l'époque édénique parce que nous n'avons pas exécuté son ordre. C'était donc l'homme noir de vie. Le Ndombe, l'humain premier, les Bantous sont devenus ce jour-là les rebuts de l'humanité. Mais le cantique que je viens d'évoquer, le Kese King Iwautunakiao, ce cantique-là, ces anges célestes qui sont venus disposer ce cantique-là, c'est l'hymne, effectivement, du Mandombe. Kese King Iwautunakiao, nous avons la joie et l'allégresse aujourd'hui. Tatanzambi Wutubanzili, donc sa divinité, Papa Simon Kimbangu, a pensé à nous. C'est l'hymne du Mandombe. Écoutez encore une fois de plus mes collègues, mes confrères de Jéjéki, comment ils expliquent ça. 4 avril, à Istanbul, Papa Wabeladio Mpayi tira sa révérence. Sa divinité prendra son âme à Istanbul. C'est-à-dire que cette capitale qui sépare entre l'Orient et l'Occident. C'est pas anodin. Papa Simon Kimbangu Kiangani décida de récupérer l'âme de David Wabeladio Mpayi Samakamandombe, le docteur, parce qu'il fut honoré d'être docteur honoris causa en temps. Il était honoré par la bonne cause. La cause était que Papa Simon Kimbangu Kiangani l'avait utilisé pour donner cette science. Le Mandombe, Ma Ndombe, prends-toi le demandeur. Parce que Ndombe vient du terme Ndombele. Nous demandons beaucoup.
Et finalement, nous devons inventer. Nous devons apporter une nouvelle donne à l'humanité. Donc d'où le Manombe, le Pakunumbu et le Pelekete. Voilà. Afrika ou Nungé ou Kembeloa. Aujourd'hui, l'Afrique, tu es dans la gloire. Qui aurait pensé Nani Wabanza Vomu Afrika. Qui aurait pensé qu'en Afrique allait naître une puissance céleste? La pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. Sa divinité, parce que Mokimangou n'arrête pas de le dire. La pierre rejetée. C'est celle-là le maçon qui disait, mais tiens, cette pierre, elle n'est pas utile. Allez l'abandonner. Mais finalement, j'ai dit, tiens, non. Cette pierre-là, j'en ai besoin. Il la reprend, il la redispose, il la confectionne, la façonne. 34 ans durant, Papa Kounsi Madiangenda n'a pas arrêté de faire ça. 34 ans durant, Papa Kounsi Madiangenda a pris cette pierre rejetée, il l'a transformée et il l'a mis dans la maison principale qui est donc l'Afrique. Cette Afrique, la pierre angulaire qui devient la principale de l'angle. C'est le prophète de Christ Jésus. La pierre rejetée. Nous devons construire l'humanité entière dans le bon sens. Cette pierre qui est la principale de l'angle. Les peuples orphelins, les négros bandombe, bansiona, kinsiona, fumumbe, itomanga, nous étions des orphelins. Nous n'avons ni père ni mère. On est devenu la principale cible de tous les peuples. Ah, le noir, ah, noir, t'as fait rien. Non, mais, ah, noir, ah, noir. Voilà. Mais Tata Simon Kimbangu décide de venir sur nous, ici en Afrique, au Congo, en Kamba, pour récupérer ce peuple nommé. Nous devons rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu mort pour nous. Kolo Yesu okitaka ose tata na yo atindaki yo pona do koluka biso basumuki pwete tobika na kanana ye afe que nous soyons sauvés. Nani vuvutula matondo kwa Yesu Mesia mufila katofila yeto asumuki uzuluka yenda walomba nsadisi. Il est allé dans les cieux. Allez, afin d'intercéder pour nous, demander l'inter, celui-là même que le Consolateur. Jean 14, vous savez ce que c'est, je ne veux pas vous parler du volume ici, de la Bible ici. Eh bien, il reprit le Saint-Esprit vu, venu. Papa Simon Kimbangu, il est venu. Et quand il est venu avec quoi? Quand il est parti, il a laissé les trois grandes puissances. La puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit va se manifester sur toute la terre. Les trois grandes puissances. Papa Kisoki le Lukelo, le Père, Papa Dialonga la Kangani, le Christ Jésus. Et le Saint-Esprit, Papa Kounsi Madiangienda. Donc, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Voyez-vous, les trois puissances venues sur terre. Aujourd'hui, lui-même est revenu, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et donc, Watu Sislam voilà tatu. Isaou, Zetikutu Songa, Ntemu Munzayaye. Ils sont venus nous éclairer. Ils sont venus nous éclairer. Ils nous ont nommé le ruban, la bande verte, la bande que nous avons dans les yeux là, que nous ne voyons pas. Le nommé, Amandombe, Kakamandombe. Le Kakamandombe là, aujourd'hui, ce territoire où nous sommes. Regardez, cette œuvre là. Nous sommes ici, dans un territoire, en France. Ici, nous sommes à Montreuil, les Montreloois. Ce petit monastère. Ils nous ont mis en place cette structure, ces murs, qui appartient à sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Eh oui, mes amis. En France. Les seuls murs sur lesquels l'État connaît que ça appartient pas seulement au Kiangani, c'est ici à Montreuil, au 48 rue de l'Ermitage. Voilà le modèle. Et Bandilia Makamu. Ngakamandombe à l'époque, nous sommes 21, on l'appelle, on les envoie avec Tatamatouba Samuel. On a entendu là-bas, ah voilà, il y a des choses qui se passent là-bas en Kamba. Allez-y. Eh bien, Tata Mandombe, il était aveugle. Aveugle qu'il était, Papa Simon Kimbangu lui rendra la vue. Et Papa Simon Kimbangu dira, tout partira de ce territoire-là. Et Bandilia Makamu, Congo Mbanza Kimbangu. Les francs-maçons disent Brazzaville, moi j'aime pas le terme, désolé. Je m'excuse, moi j'appelle ça Mbanza Kimbangu. Parce que Bandilia Makamu, tout partira de ce territoire-là.
Voilà, mes chers amis. J'ai les répétitions du groupe de guitaristes Kimonguis. Je dois vous laisser. C'était seulement pour rattraper le média qui devait avoir lieu cet après-midi, ce midi. Mais vu l'occupation pécuniaire, je n'ai pas pu me disposer pour vous. Et donc, je suis venu le faire cet après-midi ici, à la paroisse Bana, pas c'est moi qui mangue Kiangani. Donc, les Montreuilois, à la paroisse de Montreuil. Je vous dis merci de votre disposition. Si j'ai dû heurter quelques-uns, je m'en excuse. Mais en tout cas, nous sommes là pour simplement donner ce qui est nécessaire afin que nous soyons bien disposés, qu'on sache qui sommes-nous. Parce qu'aujourd'hui, on s'ignore beaucoup. L'ignorance, c'est ça qui nous fait le désarroi. Quand tu ignores, tu es vulnérable. Et nous, comme nous connaissons, nous savons à qui nous suivons derrière. Parce que nous sommes derrière Tata Sikisolokele. Nous sommes derrière Tata Delungana Kangani, le Christ. Nous sommes derrière Tata Mwandavela Kuntima Diengenda. Donc les trois, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kangani. Voilà, mes chers amis, le Mediaki. Sachant que dans 2 jours, nous allons célébrer le 98e anniversaire de cette institution spirituelle qu'on appelle Église de Jésus-Christ sur la Terre par sa divinité Simon Kimbangu. Une fois de plus, merci de vos dispositions. Je m'en vais donc monter à l'étage afin d'aller contribuer à la préparation des chants qui rend glorieux, qui rend joyeux sa divinité Tata Simon Kimbangu. J'ai toujours dit avec vous, J'ai qui? Oui, la pierre rejetée, qui vient de la personne de l'ombre. Eh oui, la pierre rejetée. Le peuple orphelin. Dieu a pensé à nous dorénavant. Et nous lui rendons grâce, nous lui remercions pour cela. Sa divinité, Tata Kimbangu. Et nous devons le voir. Venez voir sa divinité. Nous devons remercier le Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'il soit mort pour nous les pécheurs. Il était dans les cieux, il avait demandé le Consolateur qui est venu sur terre, ici en Afrique. Quand il fait partie, il laissa les trois puissances divines. Papa qui se réveille, qui nous éclaire ici pas sur terre. Il est allé, on nous voit remercier le Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'il soit mort pour nous. Il était dans les cieux, il a demandé le Consolateur. C'est qui ce consolateur là? Il est venu sur terre, ici en Afrique. Et quand il fait partie, il a laissé le très glorieux, la puissance divine. Papa qui soit le roi de lumière, pas qui nous éclaire, qui nous montre la lumière. Nous devons nous réjouir. Afrique, Afrique, nous sommes glorieux, nous sommes joyeux. Parce que sa divinité, qui aurait cru, qui aurait pensé en Afrique, allait naître un sauveur. La pierre rejetée, qui est devenue la principale de l'angle. La pierre rejetée, qui est devenue la principale de l'angle. Le peuple orphelin. Dieu, papa qui sourit le kélo. Dieu, papa qui sourit le kangani. Dieu, papa Kuntima. Dengienda. Nous te rendons gloire. Merci, papa. Tata Mwanda Vila Tata Sivogimo Kangani. Merci. Tout cas où Tata Mwanda Vila Tata. Nous rendons grâce. Et pour cela, nous devons nous revoir. N'oubliez pas, dans quelques jours, dans 2 jours, ça sera le nouvel an du Kimbanguisme, qu'on appelle le calendrier de Kimbangu. Le premier jour de Kintombo, Mouda Kimbangu Mouna. Merci une fois de plus et à très bientôt. Merci, merci, merci. Je vous laisse en compagnie une fois de plus avec mon collègue, le Jijeki, le confrère, le Jijeki Nkamba, le jour où nous avons glorifié sa divinité devant sa résidence là-bas en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Suivant. C'était l'hommage en ce jour 4 avril du docteur Samaka Mandombe David Obedjompayi qui était mort donc en ce jour 4 avril 2013 à Istanbul où sa divinité avait décidé de récupérer son âme afin d'aller prendre du repos éternel en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où il repose en paix. Et Papa Simon Kimbangu, d'ailleurs ce jour l'avait dit, il n'est pas mort, il est parmi nous, vous le verrez, parce que sa science Mandombe en a encore besoin et il inspire
Papa Simon Kimbangu et le Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu et le Consolateur. Papa Simon Kimbangu et l'Esprit de vérité. Il nous a laissé la science Mandombe afin de développer le continent africain, afin de développer l'humanité. Parce que cette science, c'est là où sortira donc les trois quarts du bien-être de l'humain. Le Mandombe. J'ai la pierre rejetée qui dit la prochaine langue. Voilà, donc à défaut de midi, je suis venu cet après-midi, ce soir, à la paroisse Pine, à la paroisse ici, de Montreloi, les locaux de Tata Simon Kimbangu. J'ai qui aurait cru qu'en Afrique allait naître un sauveur? La pierre rejetée est devenue la personne de l'homme. J'ai qui? Tata Kimbangu Kyangani. Kuntima. Tata Kimbangu. Kuntima. Kyangani. A qui nous sollicitons toutes choses? Muna Pakundongo. Yemuna. Pelekete.